barre. Il y a l'eau. Les profondeurs. Le calme. Mon refuge. Avant, je connaissais pas la plongée. Maintenant, c'est devenu comme une drogue. Quand Bernard m'a quitté, je m'en suis jamais remis. Et puis j'ai commencé à plonger tous les jours. Parce que sous l'eau, les larmes, on les voit pas. À chaque fois que je plonge, la seule chose qui me fait peur, c'est de remonter à la surface, dans le monde. Je voudrais rester sous l'eau tout le temps, à l'abri. Quand Bernard m'a laissé, j'ai cru que j'allais pas survivre. J'avais de la peine tout le temps, ça m'envahissait. Et puis, ça dure encore. Normalement, ça finit par cicatriser. Mais moi, j'ai le chagrin hémophile. Autour de moi, mes amis s'est rendu que même ma mère est plus capable. Je peux plus en parler à personne. La seule chose qui me fait du bien, c'est plonger. Mon amoureux, c'était mon âme sœur. J'avais l'impression qu'on avait un lien qui venait de loin. C'était pas logique ni explicable. Comme si je le connaissais depuis longtemps. Depuis avant. Dans une autre vie. On était bien ensemble. Mais j'en voulais plus. Et puis j'avais toujours peur de le perdre. Ça l'a fait fuir. C'est vrai que ça m'a pas surpris. Depuis, mon monde s'est écroulé. Sans jamais se reconstruire. Pourquoi je suis pas capable, maman? Je crois que j'ai besoin de me protéger. Comme si j'étais un petit escargot sans coquille. J'imagine que, en ayant vécu dès le début de sa vie une séparation, peut-être que pour pas être blessé encore, on se fait une espèce de carapace. J'imagine que c'est ça, mais je sais pas trop l'expliquer. Quand j'étais petite, j'avais toujours un ami ou une amie et il m'en fallait pas plus. Mais il fallait qu'avec cette personne, ce soit parfait. Il fallait une vraie symbiose. Avec mon mari, quand on s'est rencontrés, j'ai tout de suite senti que ça allait être, dès le départ, une relation comme je cherchais. Et j'ai foncé. Incroyable. Alors que j'ai tellement de mal à me laisser approcher. Après, j'ai su que lui-même était d'une famille où il y avait beaucoup de jumeaux. Et que son prénom, Thomas, eh ben, ça voulait dire jumeau en araméen. Donc inconsciemment, je crois que j'ai été dirigée vers lui. Trouver sa place, ça peut être le problème. Savoir ce qu'on veut dans la vie en dehors de l'autre. C'est là que le jumeau commence à devenir encombrant. Et d'un point de vue bêtement social, personne ne peut comprendre ça. Je revois très facilement les images du moment où ma mère me raconte l'existence de ce frère jumeau. C'est plus ça, le souvenir fort. Ce sont les impressions visuelles, plus d'ailleurs que la voix. Et je suis dans la cour de récréation, je revois les arbres, la grande cour,
tous les enfants qui sont en train de courir partout. Puis donc ma mère, qui me raconte que je suis né avec un frère jumeau qui est mort. Et je me rappelle aussi de cette surprise émerveillée que je ressens en me disant que personne dans mon entourage n'a pu vivre cette chose-là, qu'elle n'appartient qu'à moi. Le fait que quelqu'un qui me ressemblait physiquement était mort en même temps que moi, je naissais, c'était extrêmement troublant. Dans quelle dimension était passé l'autre ? C'était vraiment une interrogation profonde, qui a mis du temps à être formulée d'ailleurs, et qui occupe toujours ma manière d'entrer en relation avec le monde. Ma mère m'a raconté que quand elle m'attendait, elle a eu plusieurs hémorragies, dont l'une très très forte, où elle a senti comme un gros caillot qui s'en allait. À l'hôpital, les médecins lui ont rien dit du tout. C'est elle qui se doute qu'il y avait un autre bébé. À ce moment-là, je me suis réfugiée tout en haut de l'utérus, comme si je m'accrochais pour pas partir. Et après, elle m'a plus sentie de toute la grossesse. J'ai plus bougé. Je t'en ai jamais parlé, mais quand t'es née, t'étais pas complètement seule. Il y avait aussi cette petite chose morte. C'était pas beau à voir. Les mères parlent pas toujours à leurs enfants des événements de leur grossesse. Parfois, c'est les médecins qui leur conseillent de rien dire. Mais quand on découvre ça, enfin, à l'âge adulte, après toute une vie à sentir vide sans savoir pourquoi, subitement, tout paraît clair. Finalement, c'est comme si le survivant passait sa vie à chercher l'autre disparu. Il le cherche partout dans le monde. C'est probablement pour ça que j'ai autant voyagé. Je l'ai cherché dans toutes les personnes que j'ai rencontrées, surtout dans mes amoureux. Puis enfin, je me suis rendu compte que, eh ben, l'autre, c'est fini. Je le retrouverai jamais. À ma naissance, les médecins ont trouvé le corps de mon jumeau mort à 3 mois et demi de gestation. Une petite forme pâle, collée au placenta, tout aplati. Voilà. J'ai cohabité 5 mois avec ce petit cadavre. Et je crois bien que j'en porte la trace. J'ai compris ça et que je l'ai accepté. J'ai enfin pu passer à autre chose.